Amis téléspectateurs, bonsoir. Non, pas c'est Yvan Son Frank. C'est un plaisir pour m'avec vous pour présenter au téléjournal là. Rapidement, mais puis gros point cap dominer actualité. Dortellis family. Président de la République, la Jovenel Moïse, recevoir, journée mardi 30 octobre, là, dans le Palais National, Premier ministre pays Barbadla, Madame Mia Amor Motley, qui a fait une visite de travail en Haïti, visite sa entrée dans le cadre intégration Haïti dans le marché unique communauté caraïbienne. Deuxième journée de travail, Fédération nationale magistrat haïtien, déroulée dans le centre convention Banque République Pays d'Haïti, financement développement local, ces thèmes qui tapent débat avec plusieurs intervenants dans l'atelier ça. Diverses autorités dans l'État commémorées dimanche 28 octobre là, dans la prison civile Croix des Bouquets, journée nationale prisonnier. Habitants quartier Bel Air, Fort National, Poste Marchand, à l'autre zone région métropolitaine, là, recevoir 3500 plats chauds lundi 29 octobre. Là. Distribution ça a fait dans le cadre d'un programme social administration Moïse à gouvernement C1, mettez en pays pour accompagner citoyens qui vivent dans le quartier défavorisé. Yo. Actualité à Piloué la Caille, États-Unis pral déployer plus passé 5000 soldats sous frontière mexicaine pour barrer sous territoire migrants centaméricains qui a couru pour violence et misère puis fo moun sa yo sorti dans pays Honduras. C'est pour ça yo a campé l'autre nous pral développer pour nous. Restez branchés, n'ap tonè. Bienvenue dans le développement en journal là. N'a démarré avec page météo 1. C'est collaborateur non Wilner Polidor qui a présenté nos listes. Bonsoir tout le monde, merci pour fidélité avec attention. On a comment la situation est sous la région Caraïbes. Nous avons un fonds quasi stationnaire qui a approché le vers Caraïbes central là dans Haïti. Et la situation ça a causé un mazé qui est plus ou moins humide en sous façade à l'ouest du pays d'Haïti. Et cela veut dire que encore en fin d'après-midi et en soirée, nous attendons avec quelques activités de la pluie, même au cours de nuit là, et éventuellement jusqu'à demain matin, même si c'est de la pluie continue, pas intermittente, mais c'est vraiment quelques. C'est très isolé sous la majorité département. En journée, nous avons un temps qui ensoleillé Jean-Noël sous 4 de pictogramme. Ça, soleil, c'est partout sous la majorité département. En journée, avec 24 ventes. Mais en fin d'après-midi, nous avons commencé à gagner une convection qui peut commencer, nuage va commencer à prendre extension. Et en début de soirée et au cours de nuit, nous avons gagné quelques activités de la pluie continue par intermittente aussi sur plusieurs départements, l'extrême sud-ouest, vers le nord-ouest du pays, vers le nord, le nord-est, le centre-Latibonite, département de l'ouest, ça concerné par activité de la pluie, c'est près très isolé sur le reste département en soirée et au cours de nuit. Pour capital avec zone qui environne son capital aussi capjou de beau temps au cours de journée avec bel soleil avec une température qui a à la hausse hein, jusqu'à 33 degrés puis la descente nuit dans c'est 22 degrés Celsius mais en fin d'après-midi en soirée quand commencer gain nuage qui a développé par quelques activités la pluie et la pluie sera capable faible à modéré sous plusieurs quartiers, mais il est capable de continuer ou bien intermittent sous certains quartiers pour non seulement assoir, mais aussi au cours de nuit de l'an et n'a pas levé d'un matin avec un temps qui est nuageux aussi. Pour la mer est agitée seulement sous côte nord pays d'Haïti, mais côte sud par rapport avec l'activité là, puis que nous prévoit pour capter nous prend en pile précaution si tout est à rentrer dans le fond de la mer, parce que visibilité a réduit sous zone côte nous yo, et pour golfe de la Gonave, la mer est peu agitée, mais sauf que là, pour pour réduire visibilité, elle m'a dit capter nous précaution là à rentrer dans le fond de la mer, si tout au large, puis prendre en pile précaution, et pour page astronomique là, soyez là, à coucher jeudi à 6h17 minutes, et là, pas levé de matin à 6h49 minutes. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous.
N'a pas très d'emblée dans l'actualité, président République là, Jovenel Moïse, recevoir journée mardi 30 octobre là, dans Palais National, Premier ministre pays Barbade, Mia Amor Motley, qui a fait une visite de travail en Haïti. Visite ça entrée dans le cadre d'intégration Haïti dans le marché unique communauté caraïbienne. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Rencontre ça, c'est résultat, c'est une discussion. Haïti est entamé. Pour permettre plan mise en œuvre marché avec économie unique dans Caraïbes là, CSME vient effectif. Une structure qui était entrée en vigueur depuis l'année 2006. La première ministre est venue voir le président Jovenel Moïse pour établir des discussions autour de cette question. Le président a été heureux d'accueillir la première ministre, d'autant que très récemment, dans son discours en tant que président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, le président de la République a réaffirmé que la mise en œuvre du CSME et l'intégration d'Haïti à la CARICOM est un sujet d'importance pour le gouvernement haïtien. Donc, le président Jovenel Moïse a tenu des discussions avec la Première ministre sur cette question dont les différents volets et les différentes composantes ont été discutées. Toute institution de l'État qui concernait la mise en œuvre CSMEA, ça veut dire question libre circulation monde à bien, commerce marchandises, acte service, c'est participer dans la rencontre. Pour qu'on y a, citoyens haïtiens pas besoin de visa pour voyager dans la communauté caraïbienne. J'ai ça été discuté dans le sommet CARICOM dans le mois de février passé. Ce n'est pas affaire de haïtien pour avoir un visa, c'est haïtien pas besoin de visa pour voyager dans l'espace communautaire. C'est dans ça que nous sommes là. Tortellus Fam. Son décision de chef d'État et de gouvernement qui c'est pire aux instances communautaires. Il y a une décision, il y a une mise en œuvre de décision. Par exemple, les mêmes Barbade, sous besoin de Barbade là, qu'on a ces billets pour acheter. L'effectif après-midi, sous le nouveau Barbade, où est-ce qu'il y a? Visite travail Premier ministre Barbade là en Haïti, duré un jour, Livine conclut concrètement à président Jovenel Moïse tout ça qui t'a discuté depuis vendredi 26 octobre passé entre autorités haïtiennes et une délégation secrétariat technique CARICOM qui n'a pays là. Depuis jeudi 25 octobre. L'autre point dans le journal, le ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural dans tête collée avec le ministère conditions femmes, avec droits femmes, avec ONU femmes, réalisé mardi 30 octobre, là, yon atelier, consultation sous plateforme nationale vente cacao haïtien en ligne. Activité ça entrée dans le cadre GFO, ministère concerné, a fait pour une femme non pays autonome, surtout femme qui n'a milieu rural. En suivant, compte rendu, Rachel Saint-Fort avec Jardin Cacao Femme d'Haïti, c'est une plateforme numérique qui permet aux femmes qui produisent cacao dans le pays à arriver à faire connaître et vendre produits en ligne. La plateforme s'est rentrée dans le cadre d'un projet pilote initiateur à expérimenter dans le pays à qui visait à partir d'utilisation de nouvelles technologies d'information et communication, renforcer la capacité des dames qui produisent et puis rendre autonomes. Initiative, ça a. C'est dans le commencement initiative ça nous y est là. Jusqu'à présent, nous avons développé un prototype par rapport avec l'idée, par rapport avec vision ça, qui s'est créée en plateforme numérique, côté que nous avons connecté productrice cacao, productrice n'importe qui produit agricole avec acheteur, avec exportateur. Donc jusqu'à présent, nous mettons en focus par rapport avec le département sud, côté que tu as en production cacao qui est pratiquement venu disparaître et tu as une petite initiative dans la zone ça. Tortellus Family. Production cacao qui a augmenté vraiment. Et donc c'est dans le département ça que nous avons commencé. Accompagner mesdames qui font business, qui produit, pour permettre de gagner plus de connaissances et puis rentrer plus d'argent.
Se travay minister kondisyon fom ak doa fom, dapre kodonatek ap jire dosye teknik ministerya Emanex Gonzak Dezir. L'Etat adopte yon politik d'egalite fam-om. E politik sa li echelone sou 2014 a 2034. Menan, nan politik d'egalite ya, gen yon plan d'aksyon nasyonal sou egalite fam-om. E ki échelonné sous de 2014 à 2020. Mais il y a 6 orientations dans le plan que l'État priorisé. Mais dans la 5e orientation qui parle de l'autonomisation des femmes, quand on parle de l'autonomisation des femmes, on voit la question économique. Donc, avec cette orientation-là, l'État prévoit un ensemble de mesures. Une des mesures, c'est accompagner toutes mesdames qui ont fait entreprise, qui ont capoté l'argent, qui ont baillé. Door Tellers Family. Parce que nous connaissons bien que mesdames yo travaillent en pile dans tout secteur d'activité. Mais les n'ont gardé bien, nous rendons compte que mesdames yo pas jamais bénéficié de ressources. Donc, le ministère a gagné pour encourager tout le monde qui a accompagné mesdames yo, mettre plus l'argent en termes de faire mesdames yo et renforcer capacité yo faire au produit plus et puis pour faire plus l'argent. D'après responsable yo, 50 femmes qui produit cacao dans pays a déjà enregistré dans plateforme Jardin Cacao Femme d'Haïti qui en phase développement. Après processus consultation qu'a fait avec divers acteurs yo, une version améliorée est disponible en 2019 selon témoignage organisateur atelier a. Dossier sécurité, porte-parole police nationale là, Michel-Ange Louis Jeune, pour tes explications, m'a dit 30 octobre là, sous situation tension qui était gagnant dans zone première avec deuxième avenue Bolos, lundi 29 octobre passé. Commissaire Louis Jeune fait connaître, c'était 4 individus armés qui étaient à bord d'un véhicule qui t'a fait échange coup de zame avec l'autre groupe armé qui n'a qu'à tirer sa yo. Porte-parole police nationale là, commissaire Louis Jeune, demandé collaboration, population avec PNH, pour permettre gain plus efficacité en réponse y a gain pour poter avec problème ça Dortellus family. Te gagne yon pick-up Toyota Hilux de couleur noire que bandi armé te volé dans Delma 19 depuis dans vendredi. C'est yon pick-up qui appartenu à une institution privée en dans pays là. Et yo volé pick-up là mais depuis yo volé pick-up là système de renseignement la police là té gantan gain information li t'ap travay sou dossier là yo meté pick-up là en stationnement pendant 2 jours pendant tout week-end là la police toujours gain information yo et toujours connaît tout qui côté pick-up là yé et qui moun ka fè usage de li nan lundi matin pick-up là sorti en direction de Léogane et la police toujours passer des instructions pour toute patrouille de police qui est à ouais en machine qui répond à une description comme ça pour ta intercepter avec moun qui a bol. Y a suivi pick-up là. Pick-up là à l'entrée de la ville Gane, li remarqué yon patrouille de police qui a fait un contrôle routier. Et certainement nom d'un pays imposant, y a retracté. La police toujours a suivi et c'est comme ça. Door Tellers Family. Il y a arrêté, il pas arrêté. Il a arrêté pick-up là pas arrêté. Et la police stoppé pick-up là pour te permettre moun yo te capable arrêter. Et ben c'est comme ça, il y a 4 moun et en dans pick-up ça qui était lourdement armé qui était fait échange de tir avec la police. Et yo couri qui était pick-up là. Mais forme du pick-up là t'ai une plaque privée l'elle t'ai appartenu à propriétaire l'enfant ou t'ai prend dans mes propriétaires li et numéro plaque privée ça c'est DD52024 et moun k'ap vinn faire usage illicite de pick-up là li changé li mette en plaque service de l'état la donne qui c'est SE02698 et la police récupère pick-up là et li récupérer toutes les plaques sa yo que c'est plaque qui appartenu à vrai propriétaire pick-up là que c'est plaque qui appartenu à l'état haïtien et par la suite et malheureusement la police pas de chance mettre main
nan kolèt yon nan monsieur sa pou te arrete yo et traîner yo pa devant autorité compétente yo pour les suites de droit. Monsieur yo couri et pendant a couri yo te tiré dans toute direction et c'est par la suite et yo te vinn entrer dans yon échange de tir avec bande rival pareil yo. Mais ça te vinn gen par la suite là, li pas concerné la police particulièrement directement alors et yo te vinn gen échange de tir avec bande rival pareil yo. Donc c'est ça qui mené à situation ça. Diverses autorités dans l'État commémoraient dimanche 28 octobre la prison en civil pas des bouquets journée nationale prisonnier. Lionel Jean-Louis ak Michel Joseph te sous place y a présenté un compte-rendu. Autorité policière, membre dans société civile, responsable organisation droit monde mélangé ak prisonnier te présent dimanche 28 octobre là pour commémorer journée nationale détenu yo. Dans occasion, yon massacre de grâce te chanté pour marquer date ça. Révérend Père Jean-Aubert Louis à travers prédication mettez accent sur 5 points d'après les cap permettre gain amélioration dans façon prisonnier yo vivre. Jésus te travail pendant toute terre pendant toute mission ni pour moun te capable libre pour nous te capable pas esclave péché pour nous pas esclave la mort. Je dis à nous-mêmes dans pays nous n'a travail pour frère action yo qui dans prison yo pour pas arrêter esclave ni péché ni la mort ni brimade mais pour être capable libre. Il y a 5 points qui sont importants, nous ne sommes pas capables de passer sous tête sans nous pas atterrir sous yo. Premier point, c'est pour tout prisonnier, normalement, il n'a pas le droit de rentrer en dans prison, il a fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, il n'a pas jamais juge, il n'a pas jugé. Deuxième bagaille pour améliorer la vie prisonnier, santé prisonnière est important. Et même si prisonnier a, vient dans yon cellule. Mais nous avons droit pour nous voir les yeux sous santé, pour nous connaître qui ça lui souffre, comment la vivre, et dans une prescription dans mes comment il est capable d'aider d'exécuter ça. Quatrièmement, il faut que le prisonnier soit capable de jouer côté pour dormir, pour à l'aise côté de dormir. Protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, rappelait divers textes lois internationales qui garantissent le droit d'être ni. Pourtant, Maître Renan Edouville conscient, doit prisonnier souvent violé en dans prison. Yo. La Constitution haïtienne, en son article 44, et dans sa version originale, et aussi dans sa version amendée, garantit les droits des personnes privées de liberté, et quel que soit, bien évidemment, leur statut. Les personnes privées de liberté, les personnes gardées en détention ont droit au respect de leur intégrité physique. Ils ont droit au respect de la dignité humaine. Il y a tous ces mouns, j'en ai dit à l'heure là. Cependant, c'est regrettable de dire que nous sommes très loin en Haïti. Et ceci au niveau de tous les centres carcéraux du pays. Nous sommes très loin du respect de ce principe fondamental. Bon côté PAL, responsable prison civile Croix des Bouquets, Evans Michel, quoi détention préventive prolongée était un défi pour le système carcéral là qui doit améliorer. Dans ce sens, il souhaitait une meilleure condition de détention pour prisonniers. Aujourd'hui, la surpopulation carcérale, la détention préventive prolongée, les jugements rendus sans dispositif, les personnes signifiées détenteurs d'actes d'accusation depuis des années et qui ne sont jamais allées en jugement, nous interpellent au plus haut point et nous projettent des défis majeurs auxquels nous devons améliorer. C'est pourquoi nous devons retrousser nos manches et nous atteler à aplanir les obstacles entravant tout processus d'une bonne distribution de justice et de meilleures conditions de détention. Comme le voit cette courant de pensée de la sociologie carcérale, tant vaut une prison, tant vaut une société. Commémoration journée nationale des détenus de déroulée sous thème en améliorer conditions la vie prisonnier nous. Arrivé moment pour nous prendre pause publicité, n'abtenez dans budget. À
Actualité à part, à poursuivre sur Télévision nationale d'Haïti, ministère intérieur à collectivité territoriale a distribué lundi 29 octobre 6 machines by 6 présidents association départementale Kazakh dans le pays. En distribution, ça a rentré dans le cadre d'engagement. En président républicain Jovenel Moïse, t'y prend avec Kazakh dans le mois janvier 2018 pour bayo moyen pour travail dans l'intérêt population. D'après ministre intérieur à collectivité territoriale, là, Jean-Marie Reynaldo Brunet. Reportage Roosevelt Desrosiers avec Jasmine Denis. C'est président de l'association Kazakh dans le département de l'Ouest, Sid, Sud-Est, Vendance, Nord, Aklatibonite, qui recevoir machine Sayo. Matériel Sayo doit permettre les locales de faire travailler plus bien. D'après ministre intérieur à collectivité territoriale, là, Jean-Marie Reynaldo Brunet. Au président de la République, là, M. Jovenel Moïse. Développement n'a pas commencé de l'autre côté que par les collectivités. Dans ce sens-là, nous-mêmes, nous accompagnons les collectivités, hein, comme feu de route là, que le président de la République là, avec le Premier ministre Santé Banou, qui dit que normalement, c'est renforcement collectivités, là, on a parlé de mairie, de Kazakh, de Azakh, de délégués de ville. Nous-mêmes, nous là pour nous renforcer les capacités de manière à ce que nous-mêmes, nous rendre service tout à la population. Différents présidents de l'association départementale Kazakh expriment reconnaissance envers le président de la République pour machine sa yo. Yo promettent pour bien utiliser le matériel. Ce n'est pas là que vous mangez les ventes au plein. C'est vrai. Collègues, nous attendons avec un pile satisfaction pour que le véhicule soit arrivé dans tout le département. Yo. Mais nous comprenons tout pas arrivé pour une raison en même temps. Et moi-même, je prête voir. Tout l'autre Kazakh et département, Kazakh qui sont dans le département, le président en particulier, pour que pour me remercier ou même dans nos et pour transmettre remerciement ça pour nous, le président de la République. Je pense que les machines nous gagnent et les véhicules nous gagnent, ce n'est pas un véhicule pour qu'on ait au moins à faire ça, mais il faut qu'on mette le au service du département ça pour nous sortir dans la situation, pour nous passer à une autre situation. Après distribution 6 machines Sayo, by 6 présidents association départementale Kazakh, ministre Jean-Marie Reynaldo Brunet promet 6 lots à président association départementale Kazakh qui peut rejoindre. Yon lot bord, il annonce pour jour qu'a vini yo, gen magistrat qui prend machine pa yo. L'autre information, habitants quartier Bélair, Fort National, la poste marchand à Claude Zone dans région métropolitaine là et se voit 3500 plachots. Lundi 29 octobre, la distribution s'est faite dans le cadre ensemble programme social administration Moïse avec gouvernement Séan mettait campé pour accompagner les citoyens qui vivent dans le quartier défavorisé. En suivre plus d'explications, il y a un responsable qui tape assuré distribution ça dans le micro Midray Milias avec Wilson Idoré. Bon, je dis à nous à peu près 3500 plats pour monde et place Pigeon comme nous toujours faisons comme d'habitude. Et ça n'a pas demandé tout, n'a pas demandé à président pour continuer de travailler ça, parce que l'autre zone a besoin de tout, parce que pour que nous pays aïe, nous besoin de cantine mobile, et nous-mêmes agents de distribution et cantine mobile, nous prêts pour nous porter support nous, et nous avons toujours continué à bailler président Jarret et puis DG. Nous avons demandé pour que Liban nous en plus support pour que le programme réalisé, parce que le peuple a souffert sa pile. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour nous bailler président avec le gouvernement tout bon service et nous avons demandé au gouvernement pour mettre en pile action dans la cantine mobile, surtout avec le panier solidarité, pour que nous-mêmes nous avancions avec le programme. Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti lancée lundi 29 octobre là, un projet formation et sensibilisation en ce droit moun handicapé. Projet ça, cap dirait 6 mois, à dérouler sous thème aucun prétexte, aucune limite. Rodney d'Orléans avec Dieudonné Lidier a présenté un reportage. Total 50 mounes qui ont un handicap physique, cap gain pour bénéficier directement formation ça, sans compter 40 lots qui pas gain pièce handicap, cap gain pour bénéficier de façon indirecte même formation ça yo. Une initiative responsable UFMO RH yo prend pour continuer à faire plaidoyer sous droit monde handicapé et puis faire promotion pour talent capacité au gagnant. Le projet ça, il visait une quinzaine de médias, côté que vraiment nous pouvons faire le tour des médias pour que nous capables et parler à nous, pour journalistes, directeurs d'opinion,
comprendre qui ça inclusion est, j'en ai commencé à faire et j'en ai toujours fait pour pas continuer justement aider nous, accompagner nous dans le cadre de sensibilisation qui a fait tout question inclusion femmes actives handicapées. Secrétaire d'État Moun Handicapé, Oriol Gérald Junior, qui était présent dans le lancement ça, félicité mesdames Union Femmes à mobilité réduite d'Haïti pour l'initiative ça, qui d'après lui pourrait permettre de franchir une autre étape dans l'étape menée pour les femmes handicapées dans la société haïtienne. Femmes handicapées, nous sommes capables de dire, et les doublement victimes de discrimination, non seulement en tant que femmes, mais en tant que personnes handicapées. Donc, toute initiative vraiment qui est capable d'aider à faire respecter le droit de l'homme, c'est normal que le gouvernement appuie cette initiative. Ça. Donc, et nous sommes très contents et que l'activité ça a réalisé, non seulement à Port-au-Prince, mais également et au Cap-Haïtien. Et qu'on s'agit plus d'efforts vraiment pour changer mentalité, changer regard vis-à-vis du handicap et permettre que tout citoyen, toute citoyenne, et que vous avez un handicap ou pas, capable de vivre dans la dignité et capable de jouir pleinement de droits. Projet formation et sensibilisation pour l'intégration du monde handicapé a bout dans la date 8 mars 2019 pour marquer la célébration journée mondiale FAMIO. Série formation sa yo a réalisé dans le département de l'Ouest et nos pays. C'est Mission Nations Unies qui a appuyé la justice en Haïti, MINUJUST, qui finançait le projet ça. Deuxième journée de travail Fédération nationale magistrat haïtien déroulée dans cette convention Banque République Pays d'Haïti, financement développement local, c'est thème qui tape débat avec plusieurs intervenants dans l'atelier ça. Stéphanie Charles avec Laure Darly Jean-Jacques a présenté un reportage. Financement développement local, c'est un baptême ça. Deuxième journée atelier travail Fédération nationale magistrat haïtien yo après poursuivre. Rappel sous différents outils et dispositifs financement développement local, c'était principal point ancien chef l'État Jocelyn Privé te débattre. D'après lui-même, décentralisation a permis tout citoyen gain accès à service l'État doué yo. Li invité parlementaire yo mettre dans constitution loi 4 décentralisation. Bon côté PAL, PDG groupe croissance nan Kessner Farel qui t'a intervenu sous conséquence investissement public avec développement économique et puis social fait qu'on est mérieux doit créer confiance dans façon y a gérer fonds communal yo pendant le mandé yo mette sous pied un fonds recyclage qui capable rapporter mérieux plus l'argent. Défi mobilisation ressources fiscales communio, évolution recettes fiscales yo depuis 10 dernières années yo, implication élu collectivité territoriale yo, élément dispositif pour financement développement territorial yo dans pays d'Haïti, c'est ensemble point qui tape débat pendant deuxième journée de travail ça qui joint Bourad, USAID, CNUD, ambassade pays la Suisse à la France. T'as observé une autre pause dans le journal là, pas débranché, n'a pas tourné. On va le faire un coup de pied tout coûte l'autre bord de l'eau après accident avion compagnie Lyonnaire dans le pays Indonésie. Ministre transport indonésien Budi Karya Sumadi mandé inspection toute Boeing 737 dans le pays. Jusqu'à présent, équipe recherche là, pas joindre aucun rescapé parmi 189 passagers qui étaient à bord avion ça lundi 29 octobre 2018 là. Ensuite. Après crash avion compagnie Lion Air dans le pays Indonésie, pas gain aucune chance pour jeune rescapé parmi 189 passagers. Autorité a poursuivre ak Dorchalis Fam. Président indonésien Joko Widodo te gain un entretien mardi 30 octobre là ak équipe qui gain pour mission chercher koyo. Pourquoi il est là, il y a une dizaine sac corps ak plusieurs autres sac débris te sorti dans fond marin yo qui déjà transporté dans laboratoire pour analyse. Ministre transport indonésien Budi Karya Sumadi mandé inspection toute Boeing 737 Max dans pays a. Premier ministre transport indonésien compagnie doit signaler irrégularité, défaut et puis vérifier historique ensemble opération entretien matériel technique là dernier mois qui enregistré dans journal de Boyo. Boeing 737 Max là qui était gain quelques mois depuis la travail a écrasé dans la mer Java 12 minutes après le fin décoller dans Jakarta. Patron compagnie low cost Lion Air là Edouard Siré reconnaît à lundi à réparation été faite dans avion la veille accident. États-Unis vont déployer plus passer 5000 soldats sous frontière mexicaine pour barrer sous territoire yon caravane migrant centre américain cap couri pour violence ak misère puis fòmoun ki nan caravane sa soti nan pays Honduras ensuite.
États-Unis pral déployer plus passer 5000 soldats sous frontière mexicaine pour bloquer rentrée sous territoire migrant centra-américain qui a couru pour violence et misère dans pays yo. Un déploiement yo comparé dans dimension cortège yo te voyé en Irak là dans une semaine c'est pral élection mi-mandat yo. Caravane migrant centra-américain commencé dans San Pedro Sula dans nord Honduras côté Pifola dans yo sorti. Pourquoi il y a là 800 soldats déjà en route pour frontière texan, l'autre encore pour prendre direction Californie et Arizona. D'après général Terence Oshognissi, commandant défense nord-américain, à partir fin semaine, il y a pral voyer plus passer 5200 soldats sous frontière Sidla. C'est juste commencement opération ça pour d'après général là, il y a pral continuer à ajuster troupes d'après besoin. Responsable armée assurer troupes aussi tout déployer pour faire soutien logistique et puis construire barricades. Président américain a répété pendant dernière semaine ça yo troupes ça yo était nécessaire sous frontière mexicaine. D'après président Licler, il a servi à migrants ça yo pour défendre cause politique dans perspective élection législative 6 novembre yo. Et puis, gros point noté développé dans le journal là, président République là, Jovenel Moïse, recevoir journée mardi 30 octobre là, dans le Palais National. Premier ministre pays Barbadla, madame Mia Amor Motley, qui a fait une visite travail en Haïti. Visite ça entrée dans le cadre d'intégration Haïti dans le marché unique communauté caraïbéenne. Deuxième journée travail Fédération nationale magistrat haïtien déroulé dans centre convention Banque République Pays d'Haïti, financement développement local. C'est thème qui tape débat avec plusieurs intervenants dans atelier ça. Diverses autorités dans l'État commémorées dimanche 28 octobre là dans prison Croix des Bouquets, journée nationale prisonnier yo. Habitants quartier Bel Air, Fort National, Post-Marchand, à Claude Zone, dans la région métropolitaine, là, recevoir 3500 plats chauds lundi 29 octobre. Distribution ça faite dans le cadre d'un programme social administration Moïse, avec gouvernement Séan, mettez campé pour accompagner les citoyens qui vivent dans le quartier défavorisé. L'actualité internationale là, États-Unis, bral déployé, plus passer 5000 soldats sous frontière mexicaine pour barrer sous territoire migrant centre-américain qui a couru pour violence et misère, puis Fomoun Sayo sorti dans le pays Honduras. C'est là que nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Bonne nuit tout le monde.